Ah, celle-là, elle est piquée. Oh, elle est jolie aussi. Oh, mais elles sont balèzes aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh putain. Bon, vu que je suis pas monté gros, je vais pas faire trop le malin. Et on va sortir les puzettes. Belle zébrée en tout cas. Elle est où, elle est où, elle est où? Hop là! Toi, tu restes là. Voilà. Bon, hop. Elle veut pas, hein. Elle veut pas rester avec moi. Poisson de 35 plus. Pas 40 parce qu'elle est dense. Bon, allez, tu vas y repartir. Parce que tu demandes que ça. Vraiment, très très beau poisson, hein. Vraiment une belle sauvage. Allez, voilà. J'ai fait les photos qu'il fallait. Devient plus grosse et plein de petits. Ah, voilà une. Oh, belle aussi. Putain, mais elles sont belles aujourd'hui, hein. Elle est où? Qu'est-ce qu'elle me met? Regarde ça! Canpi, hop, 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 viens par là! Hop! Les reines des bouillons! Vraiment cool, un poisson de 30 et quelques encore? Elles ont du gaz, hein. Plus clair que l'autre. Allez, repars. Et ouais, je me doutais bien qu'il y en aurait une là. Oh là, oh, raté, belle truite. Dommage. Oh là, celle-là est jolie. Pas jolie, non, 25-30 aussi, mais voilà. Elle est aérienne. Mais voilà, au moins il y a un peu d'activité. Et ça reste du poisson. Correct. Elle est bossue. Marrante. Sympa ça, bah, pas trop les jambes, hein. T'es où, épuisette ou pas? Allez, j'ai pas voulu risquer. 30 et quelques, voilà, ça fait plaisir. Oh putain. Elle est pas très grosse, mais une belle truite, elle va revenir, je pense. Elle est revenue, je l'ai re-ratée, mais je suis nul. Elle est 203. Mais non, là, elle a compris. Non, elle n'avait pas compris. Trois fois, elle est venue. Ça reste une belle zébrée, quoi, c'est pas une bassine. Hein. Alors, on en voulait? Voilà, quand on dit que c'était un beau poisson, enfin un beau poisson. Oh là là, en voilà une belle.
Je savais que sous ces cailloux il y avait un poisson. Il y a toujours un poisson. Ah, pas trop vers le con. Voilà. Ça reste un beau poisson de 30 et quelques. Calme, m'a fait plaisir. Belle attaque. Ok, on est sur un endroit sérieux là. Oh, le passage que tu... Ah, je disais, le passage que tu viens de faire, tu fais rien. C'était pas possible. Il était parfait ce passage. Bon, ben voilà, la paradescente. On va pas faire peur aux autres. Là, moi, c'est sous ces branches que ça m'intrigue. C'est super chaud à y aller. Alors, la facilité, c'est de faire, avant de s'attaquer au problème de cette... attaquer au périphérique. Hop, oh, si c'est pour faire ça. Même si je suis convaincu que si beau poisson il y a, il est là. Après, il faut y arriver à y jeter, ce qui n'est pas facile ni garanti, même par moi. Ah, je faisais une super belle dérive là encore. J'étais en train de me dire, putain, là-dessus, tu touches rien. Bon, ben, c'est la règle des décroches par contre. Hein. Il n'est pas un peu ouvert tes hameçons ou un problème comme ça? Non. Mais franchement, là, c'était beau ce que tu nous as fait, hein, jeté. Ah aussi, d'ailleurs. Oh là là! Là, on rigole moins. Ah, je l'ai pas. Là, je veux pas décrocher, ça. Yeah! Yes! C'est un très beau poisson à l'UL. Hein. Très très beau poisson à l'UL en 16 centièmes sur une canne à 6 grammes. Eh ben, je suis content parce que ça envoie du petit pâté quoi. Vraiment, elle est magnifique. Ça fait trop plaisir. Hop là, regarde, dans l'épuisette. Voilà, on en a assez de la photo. T'es vraiment belle, hein, moi j'aime bien. Allez, va faire plein des petits. Oh là là, là-dessous, dit. Ça, c'est un coup de maître. Mais ce caillou là, il y a forcément une truite là-dessous. Et en plus, elle est balèze. Hein. Oh non, elle se barre. Elle est devant. Truite de 30 et quelques.